Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du logiciel Rhino 5 donc qui vise à vous montrer comment se présente le logiciel, comment il est organisé. On n'est pas là pour apprendre à l'utiliser pour l'instant, vraiment à savoir d'une façon générale comment est le logiciel, comment il se présente, comment on peut interagir avec lui. Alors tout d'abord, Rhino c'est un logiciel de modélisation 3D donc qui permet de faire de créer des objets. C'est un logiciel de modélisation surfacique, non pas volumique. Donc, on va travailler uniquement avec des surfaces, on va créer des volumes en assemblant des surfaces ensemble. Ce qui donne l'avantage d'avoir un meilleur contrôle que pour un logiciel volumique. Les logiciels surfaciques permettent de faire des choses plus complexes plus facilement. Mais évidemment, il y a toujours un mais. Il y a des inconvénients sur la simplicité de conception, étant donné qu'on ne travaille généralement pas avec des primitifs, donc il faut tracer un maximum de choses, il y a un maximum de choses à faire, là où un logiciel volumique permet de mâcher quand même pas mal de travail. L'interface, donc l'interface en elle-même, elle se présente classiquement. Elle n'étonnera personne qui a l'habitude de l'informatique, hein, des menus, des icônes, une zone de travail, différentes petites choses qu'on verra après comment ça fonctionne. La zone principale ici, c'est donc cette zone de travail constituée de 4 vues perspective dessus, face, droite. 4 vues qui sont autant de points de vue sur un espace tridimensionnel qu'on voit mieux ici, dans lequel j'ai ici placé ma sphère. Cet espace tridimensionnel, il correspond donc à un lieu virtuel dans lequel vous allez construire vos objets. Il est ce qu'on appelle orthonormé, c'est-à-dire que il a dans chaque direction, qu'on peut voir ici, x, y, z. Donc il est orthonormé parce que dans chaque direction, une unité correspond à 1 mm pour dans mon cas. Donc chaque unité est identique dans chacune des directions. Ce qui n'est pas toujours le cas, et ce qui est quand même intéressant pour la 3D. Donc cet espace orthonormé, il est visualisé ici par un plan, donc qui présente deux axes, et chacune des vues possède son propre plan qui permet de visualiser à chaque fois que vous êtes en train de travailler sur un plan. Par exemple ici, si je veux créer une courbe, je vais pouvoir voir ce que je fais par rapport au plan actuel, et donc ça va être placé sur un plan parallèle à ma vue. Ici, si je travaille de face, vous voyez, je travaille sur mon plan, et ce plan ici, qui n'est pas visible dans cette vue là, on va le retrouver virtuellement ici. Voilà, donc ces trois plans, ils vont vous permettre, ces trois plans ici qu'on voit, ils vont vous permettre de travailler en réalité en deux dimensions dans un espace qui en a trois, ce qui va vous simplifier la tâche. C'est toujours plus simple de travailler en deux dimensions qu'en trois dimensions. Pour le cerveau humain, c'est quand même plus simple quand on fait du dessin, etc., de contrôler d'une part ce qu'on fait sur une vue, et ensuite d'une autre vue, et dans la vue de perspective, de contrôler ce qu'on fait dans l'ensemble. En dehors de ces 4 vues, qu'on peut mettre, on peut utiliser 5 vues, 3 vues, 2 vues, comme vous préférez, comme vous voulez, en cliquant ici, je les agrandis, je peux les redimensionner, selon le besoin que j'en ai. Donc en dehors de ces vues, vous avez très très classiquement ici des menus. Alors ces menus, comme dans tous les logiciels d'aujourd'hui, du moins la majorité, vous avez un menu fichier édition qui vous permet de faire de la gestion de fichiers, comment j'enregistre, est-ce que j'insère, est-ce que j'importe, etc. Éditer les éléments. Et ensuite vous avez accès à des menus qui nous intéressent plus pour le moment, de modélisation, donc de dessin. Pour les courbes, pour les surfaces, c'est extrêmement bien rangé, hein. Vous les décomposez dans les courbes, surface dans surface, etc. Pour le rendu, la gestion des panneaux, c'est ce qui est présent ici. Et ensuite des menus ici, Paneling Tool et Maxwell, qui correspondent à des plugins, donc des modules que vous pouvez rajouter à Rhino, puisque Rhino est un logiciel qui est extrêmement modulable, dans lequel il existe beaucoup de modules dédiés à des métiers particuliers, que ce soit la bijouterie, que ce soit le chantier naval, que ce soit l'architecture, que ce soit la fabrication de chaussures. Il y a énormément de choses. Donc je vous invite, si vous avez un métier particulier, à vous renseigner sur le sujet. En dehors de ces menus, donc toujours très classiquement, des icônes. Chaque icône, en réalité, c'est une représentation graphique d'une commande ou de deux commandes. Vous voyez que si je m'arrête ici, j'ai une petite bulle jaune qui pop,
enfin qui apparaît, et qui va me dire que si je fais un clic gauche, je vais faire un zoom de la fenêtre, et si je fais un clic droit, zoom sur la cible. Voilà. Donc chaque icône peut utiliser deux commandes différentes. Et quand vous avez ici un petit triangle en dessous, ça signifie que si je laisse appuyer, il y a une autre barre d'outils qui va apparaître, que je peux détacher éventuellement. Ces barres d'outils, depuis Rhino 5, elles sont organisées par onglets. Donc ici vous avez différents onglets, soit qui existent au départ, soit comme celui-ci que vous pouvez créer. Ces onglets, ils reprennent des barres d'outils différentes. Et chaque barre d'outils peut être liée ici à un petit panneau. C'est pas le cas de toutes, mais par exemple donc standard, quand je suis en standard, reprenons la configuration par défaut. J'ai ici un certain nombre d'icônes qui correspondent à un certain nombre de fonctions. On a un peu tout pour commencer. On a des courbes, des surfaces, des volumes. On balaye un peu toutes les possibilités de Rhino. Mais quand on veut aller sur quelque chose de plus précis, par exemple, je veux travailler des surfaces, je vais ici aller chercher la barre d'outils pour les surfaces. Et donc, il va m'afficher sur le panneau des outils spécifiques aux surfaces. Voilà, vous pouvez vous-même, quand vous créez vos barres d'outils ou quand vous en modifiez une, demander à ce qu'il y ait un affichage d'un certain type de panneau ici, d'un certain nombre d'icônes que vous désirez. En bas, donc, vous avez accès ici, donc ici c'est verrouillé, à d'une part des informations, par le plan, votre positionnement dans l'espace, vous voyez ici ça va varier en fonction de position de ma souris. Au type de dimension que vous avez choisi, vous pouvez travailler en millimètres, en mètres, en centimètres, en ce que vous voulez. Le calque actif, donc les calques qu'on voit ici, que je vous expliquerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Donc le calque actif, et ensuite différentes options, donc le magnétisme, la grille, ortho, planéité, etc. qui sont autant d'options pour vous d'aide à la modélisation. Par exemple, magnétisme de la grille, si je l'active, ici vous voyez m'accrocher en permanence sur un des angles, enfin un des points de la grille qui est dessinée. Si j'active ortho, enfin si je l'active, je vais être ici contraint par un angle. Si je le désactive, je retrouve toute ma liberté. Voilà, différentes options, donc les accrochages, repérage intelligent, qui permet par exemple de faire de l'accrochage à distance. Par exemple ici, voilà, vous voyez, il va me créer une petite droite qui va me permettre de m'aligner. Ici, ou si je veux m'aligner sur un point particulier, voilà, il va créer en fait des repères virtuels qui sont une aide vraiment pratique à la modélisation. Une chose aussi intéressante, c'est le principe du manipulateur. Le manipulateur, vous voyez, c'est cette espèce de petit objet qui apparaît avec trois arcs de cercle, trois flèches et trois petits cubes qui correspondent donc aux axes de rotation, de translation et aux échelles. Donc c'est un manipulateur qui permet de faire des modifications sur un objet, de le déplacer, etc. de façon assez précise, puisque si je clique deux fois dessus, il va m'afficher une petite fenêtre comme ça dans laquelle je peux rentrer par exemple un facteur d'échelle. Voilà, ce qui est beaucoup. Et donc on peut avoir, grâce à ce manipulateur qui apparaît dans Rhino 5, un contrôle vraiment pratique de l'objet dans l'espace. Ici, important, utilisation de la mémoire, ce qui vous permet de contrôler votre utilisation de mémoire. Et vous voyez, ça change fréquemment, l'utilisation de processeur, etc. Et également, le temps d'enregistrement, donc ça c'est important de vérifier que c'est enregistré assez régulièrement pour ne pas perdre vos données, ce qui arrive malheureusement avec tous les logiciels. Donc ici, on a un peu parlé avec les calques, on a différents panneaux. Donc panneaux qui permettent de, par exemple, de contrôler les propriétés d'un objet, son nom, le type, etc. Comment on l'affiche, comment on le représente, comment on le voit, est-ce qu'il affiche pour le rendu des ombres, est-ce qu'il reçoit des ombres, etc. La densité d'isoparamétrique, vous voyez, si j'augmente la densité, je vais voir un peu plus de courbes intermédiaires. Voilà, beaucoup de choses ici que vous pouvez contrôler. Vous avez des onglets qui correspondent donc à la fenêtre. Un onglet très important, qui est un onglet qui permet d'accéder à une aide interactive. Vous voyez ici, j'ai une aide, j'ai coché actualisation automatique, et si je clique par exemple sur la fonction cercle,
L'aide va se mettre à jour pour m'expliquer comment fonctionne cette option serg. Donc c'est quelque chose, quand vous débutez, qui est extrêmement pratique, qui vous permet, pour les commandes que vous ne connaissez pas, d'actualiser l'aide, de voir comment elle fonctionne, ce que vous pouvez faire. Il y a des petites vidéos, il y a des petites images, c'est vraiment très très didactique, c'est très bien fait. Vous avez également d'autres onglets qui correspondent ici, comme Clayou, Rhinogold, à des propriétés, donc ici c'est vite parce que je ne suis pas en train d'utiliser, qui correspondent à des propriétés offertes par les modules. Et essentiel pour l'organisation, l'onglet calque. Donc les calques, c'est ce qui va vous permettre d'organiser vos objets, votre travail. Donc là ils sont déjà renommés, vous pouvez les renommer. Voilà, par exemple on peut le renommer calque 1. Vous pouvez changer les couleurs du calque. Vous pouvez changer des matériaux, le type d'affichage. Et vous pouvez ici, en cochant, ouais, ma sphère est sur le calque conception, en cochant ou décochant afficher ou cacher les calques et les verrouiller. Donc par exemple, si je verrouille mon calque, on va mettre un petit objet à côté pour bien visualiser. Donc vous voyez, ici je suis sur le calque 1 qui est coché. Donc je travaille sur mon calque 1. Je fais un objet, l'objet va être de la couleur de mon calque. Ici, si je veux sélectionner l'ensemble, hop, je ne peux en sélectionner qu'un seul. Pourquoi? Parce que j'ai verrouillé mon deuxième calque. Et je peux donc cacher celui-ci, je peux revenir activer celui-ci, cacher l'autre, etc. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre de gérer votre espace de travail, de visualiser des objets sans pouvoir les modifier pour éviter de faire des bêtises, de cacher des objets pour alléger la vue, pour mieux prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire, etc. C'est quelque chose de pas forcément évident à maîtriser, mais qui est vraiment essentiel pour le travail. Dernière chose, dans l'interface, qui est extrêmement importante, je le garde pour la fin parce que c'est vraiment on va dire la base de la communication avec le logiciel, c'est ici cette zone de commande. Vous voyez que à chaque fois je vais supprimer, à chaque fois que je fais quelque chose, par exemple je supprime, ici l'action va être affichée. Si je lance une commande, il va lancer ma commande. Ici, on voit Polyline. Et derrière, il va m'afficher des options. Par exemple, le cercle. Voilà, donc il affiche cercle, centre du cercle, déformable, etc., etc. Donc là, moi, je peux te dire, mon cercle, je veux qu'il soit au centre. Alors, soit je clique directement dans la fenêtre, soit je peux entrer ici la valeur. Donc, par exemple, 0. Il va me placer au centre. Si j'avais rentré 0, 1, 1, par exemple, il me l'aurait affiché, vous voyez, 1 sur X et 1 sur Y. Voilà, donc vous pouvez rentrer directement, ça vous permet de communiquer directement en rentrant des cotations, en rentrant pas mal d'informations. Il y a des syntaxes assez complexes qui vous permettent de rentrer des angles directement, des distances, etc., etc. Donc pour revenir à la communication avec le logiciel, ici une fois que j'ai rentré mon centre, il va me demander différentes options. Le rayon, l'orientation, la circonférence. Je peux lui dire, je veux un cercle par rapport à sa circonférence, par exemple. Donc je vais lui mettre, plutôt que de mettre un rayon ou un diamètre, je vais dire que je veux une circonférence qui va faire 20. Je valide. Et si ici je viens contrôler mon objet, par exemple donc en faisant dans analyse longueur, je vais voir que mon cercle il a une longueur de 20 mm. Donc c'est exactement ce que je voulais. Donc très important, cette interface de commande permet de communiquer avec le logiciel. Le logiciel vous dit ce qu'il est en train de faire, vous demande les options sur lesquelles vous pouvez interagir. Donc il vous pose des questions. En réalité, c'est là qu'il faut y répondre, soit en cliquant, soit en rentrant directement les données. Autre avantage, vous pouvez, lorsque vous avez utilisé des commandes, en faisant un simple clic droit ici, rappeler un certain nombre de commandes que vous. Donc il y a une limite qui est définie que vous définissez dans les options. Et vous pouvez par exemple ici, si je veux refaire une boîte, comme j'ai fait tout à l'heure, hop, je viens et je clique sur boîte et ça va me relancer ma commande boîte. Voilà, c'est mis à jour au fur et à mesure que vous lancez des commandes. Et ça vous permet, quand vous utilisez des commandes régulièrement, de les réutiliser sans être obligé forcément d'aller chercher soit dans le menu, soit dans la barre d'outils.